Monsieur Doucet, vous présentez Joe Fresh Girl ce dimanche à Saint-Cloud. Elle a terminé 2016 sur un beau succès, n'est-ce pas? Oui, on était très contents ce jour-là. Elle est partie faire un petit break après. Ça lui a profité? Oui, elle avait besoin. C'est une pouliche qui est très généreuse, un peu trop. Et voilà, c'était le bon moment pour le faire. Parce que la dernière fois, elle a assuré le spectacle, hein. Elle est bien repartie en plus. Ouais, bah complètement. Après, je pense que c'est son plus bel atout d'avoir beaucoup de trains, justement, et puis de tuer un petit peu les autotrains, surtout sur une distance comme c'était, 3000 mètres, terrain lourd, c'était des conditions particulières. Alors justement, le contexte est complètement différent ce dimanche avec une distance plus courte et un terrain différent également. Ouais, voilà, surtout. Bon, après 2005, 3000, ouais, c'est sûr, c'est un petit peu plus court, mais c'est surtout qu'on va pas avoir le même terrain, je pense. À moins qu'on ait de l'eau un petit peu d'ici là. Il est clair que plus ce sera souple, mieux ce sera pour elle, je pense. Le risque, c'est que ce soit un petit peu trop rapide pour elle comme piste. Et niveau du travail, comment elle a pris il y a quelques semaines déjà, sûrement? Non, elle a repris déjà, il y a déjà pas mal de temps. Après, elle est un petit peu délicate le matin, on y est un petit peu par étapes. Elle a quand même du boulot. Elle a quand même du boulot parce que ça reste des chevaux généreux comme ça le matin. Oui. Donc côté travail, elle en a. Ils sont vite prêts, quoi, ce genre de chevaux. Ouais. Donc ce dimanche-là, pour une première à ce niveau, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Bah, c'est toujours dur à dire, hein, avec des chevaux déjà un petit peu particuliers comme ça le matin, qu'on fait une grosse perte dans des conditions particulières et en plus qui rentrent. Je pense que si jamais on avait un petit peu d'eau d'ici à dimanche, il faudrait au moins qu'on ait un terrain très souple. Si c'était le cas, elle peut peut-être jouer un rôle. Après, c'est toujours pareil, dur à dire ce genre de rôle parce que c'est possible qu'elle aille devant et puis qu'elle aille loin ou pas loin, je vous dirais bien Oui. en fin de combinaison, mais souvent ces chevaux-là sont souvent ou pas loin d'arriver à aller de bout en bout ou ils Très loin. s'effondrent un peu.